Le Réseau national des consommateurs reste très préoccupé par cette situation est tombée comme un couperet depuis le 3. Et c'est une situation d'autant plus préoccupante que immédiatement, à peine la communication gouvernementale s'est faite sur cet état de choses, que les commerçants, les transporteurs et divers autres acteurs du monde économique ont ajusté leurs prix. Aujourd'hui, le transport n'est plus celui des tarifs homologués, mais celui des tarifs imposés par les transporteurs. Aujourd'hui, la boîte de riz de 300 francs est déjà passée à 400 francs CFA. Depuis ce matin, je vais vous dire, le paquet de pâtes de 400 francs CFA est passé à 500 francs CFA. Et ce n'est qu'un début. On attend de voir ce qu'il sera de la viande, du poisson et de tout le reste. Et pour nos mamans qui sont dans l'arrière-pays, qui avaient l'habitude de faire venir les vivres, on leur demande de payer quasi le double du prix. Ce qui est chose inacceptable. C'est pour ça que nous avons demandé au gouvernement de ne plus nous mettre devant le fait accompli, de nous appeler pour des consultations préalables. C'est-à-dire quoi? Que dès qu'à partir du moment où le chef de l'État a annoncé une possible hausse en décembre, le lendemain, le comité interministériel allait convoquer toutes les parties prenantes autour de la table pour commencer à réfléchir. On appelle donc ça des consultations pour leur dire « voici le problème que nous avons, nous voulons le solutionner ». Quelles sont vos propositions sur la question? D'ouvrir un dialogue franc entre toutes les parties prenantes qui représentent toutes les strates de la société camerounaise, qui va donc permettre que les uns et les autres puissent apporter leurs contributions, leurs propositions, ainsi que leurs craintes. Ça permet, au bout de 1, 2, 3 rencontres, de faire donc la synthèse, de commencer à élaguer les propositions qui sont irréalistes, de commencer à élaguer les propositions qui sont non pertinentes et de ne garder que celles qui sont réalisables avec impact immédiat sur les consommateurs. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. On nous a mis devant un fait accompli où des gens ont arrêté pour nous et sont venus nous dire « voici ce qu'on va faire, il n'y a rien à dire, on applique tout de suite et maintenant, c'est comme ça ». À partir de ce moment, on peut être d'accord que l'anarchie dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques heures était inévitable. Parce que là, maintenant, chacun fait comme il veut. C'est pour ça que nous voulons, une fois de plus, dire au gouvernement de vite mettre sur la table les propositions d'accompagnement, les mesures d'accompagnement. Parce que nous, en tant que société civile active et agissante, notre rôle, une de nos missions pertinentes et importante, c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son action. Et dans cette mise en œuvre de son action, nous voulons apporter notre contribution pour ce qui est des mesures d'accompagnement. Nous en avons des propositions à faire. Mais nos propositions n'arriveront que quand ils auront fait leurs propositions, parce que c'est eux qui ont la balle. Pour l'instant, nous sommes spectateurs, nous regardons. Du moment où nous n'avons pas été associés à cette décision, tout en appelant le peuple au calme et à la tempérance, en leur demandant d'attendre les mesures d'accompagnement, parce que leurs propositions que nous portons, qu'ils nous ont confiées, sont encore au congélateur. On va les mettre sur la table une fois que le gouvernement a présenté ses propositions d'accompagnement qui concernent les mesures d'accompagnement.